Bonjour, je m'appelle Jordan Lecestre, j'ai 27 ans, je suis patron de boulangerie à côté de Béziers dans l'Hérault, dans le sud de la France. En 2017, j'ai réalisé une vidéo coup de gueule contre la concurrence déloyale des grandes surfaces avec le pain. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jordan, je suis boulanger et là je sors de faire les courses, mes courses que je fais chaque semaine et je suis sidéré d'avoir vu que derrière moi, sur deux personnes qui attendaient derrière moi la queue de la caisse, il y avait déjà deux personnes qui achetaient des baguettes, mais juste des baguettes, ils sont rentrés juste dans le Super U pour acheter deux baguettes chacune. Il n'y a pas des boulangers dans votre quartier, il n'y a pas des boulangers dans votre village? Ce qui m'inspire sur le fait que Leclerc fait des baguettes, va sortir des baguettes à 29 centimes, bah c'est juste que moi personnellement, ça ne m'impacte pas car j'ai pas de Leclerc dans le coin, donc c'est pas quelque chose qui va m'embêter à proprement parler. Mais par contre, en revanche, ce qui me fait chier, c'est au niveau de l'éthique en fait. Au niveau de l'éthique, jamais de la vie, un boulanger artisan ne sortira du pain à 29 centimes. Ce n'est pas possible. Le kilo de farine, il est payé en moyenne entre 60 et 80 centimes euros. Le kilo de farine, j'imagine même pas combien Leclerc touche son kilo de farine en fait. Ça fait de la concurrence déloyale, on va dire ça comme ça, au vu pareil des prix qui sont proposés. Après, je comprends que des gens aient besoin d'acheter des baguettes pas chères parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Je pense qu'il faut de tout en fait. C'est comme des téléphones pas chers, des baguettes pas chères. Bah, il faut aussi des téléphones chers, des baguettes chères. Ça impose une qualité. Donc c'est là que nous les artisans, on se doit de proposer à nos clients une baguette de qualité, c'est super important, qui justifie ce prix. Depuis mon coup de gueule en 2017 que j'avais fait, où j'étais salarié dans le Tarn-et-Garonne, il s'est passé du chemin. J'ai été ouvrier à plusieurs endroits. J'ai fait une saison dans les Alpes et depuis maintenant l'été dernier, depuis le 24 juillet 2021, j'ai ouvert ma boulangerie du côté de Béziers. Je peux enfin exprimer mon pain comme je le désire. Je fais ma viennoiserie maison, c'est que du bonheur et je souhaite à tous les jeunes passionnés de montrer leur entreprise, c'est super important.